Cette vente aux enchères, les autorités ont mis en place une commission présidée par la Direction générale des douanes, qui a techniquement tout préparé. Ce sont les véhicules de l'État, que l'État avait cédé pour faire face à d'autres dépenses. Aujourd'hui, il y a une dizaine de véhicules, des 4x4 V8 marque Toyota. Tout se fait dans la plus grande transparence. Ce sont les orientations que nous avons reçues. Donc il y a un commissaire priseur accompagné d'un huissier de justice qui procède à la vente. Nous, techniquement, on a préparé les véhicules avec le garage du gouvernement et la comptabilité matière. On a acheminé les véhicules sur le lieu de vente et nous sommes là en présence des postulants, des acheteurs éventuels et des auxiliaires de justice qui viennent de lancer la vente. Ma première réaction, c'est qu'il y a l'engouement. Depuis 8 heures, il y a certains clients entre griffes qui sont déjà sur place, qui s'intéressent aux véhicules qui sont en vente. Donc la crise a commencé. D'ici la fin de la journée, on verra combien de véhicules seront pris, qui seront achetés. Et c'est une opération qui commence. Et ça a commencé par ces véhicules-là et ça va se poursuivre aussi.